Atelier ça, c'est pour aboutir à développement du plan annuel de formation. D'abord dans le ministère de la Santé publique, que l'on a commencé, mais dans différents autres ministères que l'OMRH a pour les yeux pour que ça a fait correctement. L'a duré 2 jours, jeudi avec demain, et l'est dédié à non seulement direction centrale, là, mais direction départementale, ministère là tout, et avec certains partenaires avec qui nous travaillons dans le domaine de santé. C'est USAID qui finance nous à travers un projet qui est le Health Finance and Governance, qui travaille avec nous effectivement depuis l'année dernière et qui est supposé continuer encore jusqu'à ce que le projet soit capable de finir, son projet qui a duré 3 ans. OMRH a piloté toute action qui a engagé dans le cadre de réforme qui a mené dans l'administration de la fonction publique. Là. Nous sommes là pour nous accompagner, pour nous encadrer tout ministère, tout organisme. Présence au MRH, c'est non seulement pour le présenter, pour le partager à ministère là des outils que le MRH a développés, des outils de planification, d'évaluation, de suivi et de contrôle sous question formation. Et un domaine qui est extrêmement intéressé au MRH dans la question formation, parce que nous voulons divorcer avec le principe faire formation juste pour faire formation par certificat. Nous voulons que désormais le ministère mette un accent particulier sur le suivi formation. Yo. Dans le sens que l'on finit dans la formation, yo, est-ce que c'était utile? Est-ce que les outils ont été utilisés? Est-ce que pas de nécessité pour réviser le curriculum? Et présence au MRH tout comme autorité qui est là pour réguler les questions de formation, parce que nous sommes là pour nous définir la politique nationale de formation. Et je suis capable de dire c'est de bon temps. Et là, nous profiter, féliciter, je suis capable de dire votre instance ministère là, pour leadership, comme toujours, surtout dans tout domaine de développement organisationnel, de renforcement institutionnel, son ministère qui est toujours signalé sous question ça. Je suis capable de dire que c'est un ministère qui déjà a aidé nous mettre en œuvre la nouvelle politique nationale de formation et de perfectionnement.